Yo les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc si vous cherchez la vidéo d'un, si vous cherchez un stuff pour un Aniripsa optimisé feu soin, vous êtes au bon endroit les gars. Je vais vous présenter le stuff de mon petit Eni. Plutôt pas mal, hein. Ça tape fort, ça soigne bien. Je vous montrerai ça vite fait. Du coup, on est le 2 juin normalement. On est au deuxième jour de mon aventure, de mes 30 vidéos. Donc encore 28 vidéos avant le 30 juin. Du coup, on va entamer directement. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur le stuff de l'Aniripsa. Donc, on va entamer par les caractéristiques. Alors, donc je suis en 11 PA 6 PM. J'ai que 3 portées. Bon. Mais j'ai 1300 d'intel. Et hein, même si on peut. Si on force un peu le vis, j'ai 1430 d'intel. Pour. 126 de puissance et presque 1000, j'ai 1550, plus de 1550 de stats, c'est vraiment pas mal hein. Et je triche pas, j'ai aucun bonbon ni rien, j'ai quand même 1550 d'intelligence, j'ai quand même 70 de soins, c'est ok. Et en dommage, bon 52 crit pourquoi pas. J'ai quand même 157 dommages feu, hein. C'est vraiment pas mal. Hein. J'aime vraiment bien mon stuff, hein, je trouve vraiment optimisé. Hein. Bon, les jets sont pas terribles, vous verrez. Hein. Vous pouvez faire le même stuff avec des meilleurs jets. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est un vraiment pas mal, vraiment bon stuff. Je suis très très content de ce stuff. Alors, bon, je vais vous montrer directement le stuff. Hein. Donc, on va commencer coiffe séculaire. Alors, c'est moi qui les ai FM, les objets, voilà, donc sans dintel, c'est pas mal. Ah parfait, c'est bon, j'avais plus la touche, donc c'est contrôle. Donc sans dintel, l'agilité presque au max, on s'en fiche un peu, sagesse pareil. Ce qu'on veut à chaque fois, c'est les dommages. Donc là on voit dommage feu, on est à 10, parfait. On a les raises, les soins c'est pas terrible, mais encore une fois, on a 70 de soins. Après, on peut passer à beaucoup plus. Hein. On se met un petit trophée de soins à la place de ça. On se met la Drago d'Inde qui donne 35 de soins. Et donc, on obtient très rapidement. Hein. On a 100 de soins. Je crois que la Drago d'Inde donne 35. Donc, on a quasiment 140 de soins. C'est très très rapide. Bref. Cap de Diondin. Donc, voilà, toujours maximiser au maximum les stats et les dommages. Bon, ça là elle est parfaite en vrai, hein. J'avais fait un bon truc. Hein. En soi, elle est quasiment j'ai perf en fait. Hein. Mon salaud, c'était bien FM ça. Hein. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas une petite panoplie là? Ah voilà. C'est ça, donc la coiffe qui est en panoplie avec la ceinture. Voilà, j'ai pas fait d'effort. Hein. La Vita, c'est pas terrible. L'Intel, c'est pas terrible. Dommage crit, j'en ai que 14 sur 15. Après, j'ai les soins, j'ai les dommages feu. Et j'ai les crits. Bon, ça va, mais c'est pas. On peut faire mieux, on voit qu'on peut quand même faire mieux. Hein. Alors, pour les bottes innommables, j'ai 500 vita, 99 d'intel, 59 de sagesse, j'ai les dommages feu, j'ai les soins, et j'ai la résistance, c'est pas mal. En fait, c'est où? Ça, c'est ici, ouais, j'ai pas les soins, mais j'ai quand même un over de vita. Et là, voilà, il est pas terrible. Mais bon, en soi, c'est quand même des bons jets en vrai, globalement. Donc, le Bisouglours niveau 100 qui donne 120 intel et 22 dommages. Alors, moi, je trouve ça vraiment fort. Il y en a qui mettent des dragos d'Inde et tout ça, mais je pense que ça vaut le coup de garder ça. Hein. Donc, après, érudit majeur, nomade remueur, la classico. Et les 3 Dofus que j'ai sur tous mes persos, turquoise pour Dofus et glace. Un 4 feuilles. Oh là, bah, tu vois, je pensais que j'avais un. En vrai, c'est rigolo d'avoir un 4 feuilles sur un Aniripsa. Je pensais que j'avais le bouclier qui soignait. Mais on est là pour taper, de toute façon, avant tout. Hein. Non, bah, c'est ça. En fait, si on met le bouclier de soins, on peut monter à 162 soins, quoi. Bref, 6 4 feuilles. La puissance, 14 dommages. Les 6% crit. Ça tape, on est là pour taper, nous, hein. Petite baguette immunologie, FM par mes soins. Donc là, je crois que j'avais un très bon jet. Mais avec l'arme de chasse, mon jet a été. Je pense que j'avais les 80 d'intel. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Au moins, je l'ai arme de chasse.
Donc pareil, hein, 180 de vie, les 77 d'Intel, on est presque aux 80. On a les deux poules qui servent à rien. Mais on a toujours les dommages feu et les dommages critiques. Par contre, j'essaye vraiment à chaque fois d'avoir 100% de mes dommages feu, c'est vraiment important. Ensuite, Alan Horus PM. Bon, le G est ok, en soi on a les res. On a presque les 70 d'Intel. On a 100, 390 plus vie. On a les deux feux toujours. Les soins, bon, on n'a pas trop de soins, mais en soi, mon perso, c'est vrai qu'on est plus là pour taper, nous. Hein. Et Ananores PA, du coup. Donc presque les 400 vies. 65, un tel. Les deux feux. Les soins presque au max. Les crits et la résistance. Bon, classique, hein. Mais deux assez bons G. Et voilà, donc ça, pareil, hein. J'ai les FM. Ah, j'ai les FM. Et j'ai pas eu les couilles de passer l'invoque. Je me suis dit, pas besoin, de toute façon, moi je savais même pas et j'en ai m'en sers jamais. Donc j'ai mes 400 points de vie, presque les 100 d'un tel. Parce qu'en soi là, je passe rune sagesse en crit et rune invoque en crit. On est pas mal, hein, ça ferait une amulette vraiment bien. Hein. Ah voilà pour mon stuff, du coup, vous avez vu, petit stuff. Combien ça coûterait en vrai? 3, 4, 5, 6, 7. Ça, je sais pas combien ça coûte. 5 millions? 12? 13, 14, 15? Bon, ça, on va pas compter ces Dofus, hein. 7 millions. Maintenant, ça coûte 7 millions, je crois, donc 24. Bon, on va dire 15, 15, hein. 24, 30, 55, 58. En fait, pour moins de 60 millions, vous avez mon stuff en vrai? C'est pas mal, ouais. 50, 60 millions le stuff. Bon, ça va. Maintenant, on va passer aux dégâts et aux soins. Donc, je vais prendre l'Enyrypsa. Oui, si, je vais prendre l'Enyrypsa et le Yop. Et le Zobal. Pour pouvoir faire des dégâts sur tout le monde. Alors, donc l'Enyrypsa, souvent, ce que je fais, hein, je pose mon petit lapin. Je mode Galva. Et donc là, je peux mettre un coup de cac, par exemple. Donc là, sans boost, T1, il n'y a rien, aucun boost. On est sur du 1000, voilà, 1000 de dégâts. On a combien en crit? On a 32%. Bon, voilà, on a 32% de crit. 900. Hop. Donc on va montrer vite fait les soins. Ok, on va faire comme ça. Voilà. Hop. Alors, l'Enyrypsa. Donc un soin, donc j'ai. Mince, comment on fait pour mettre pour montrer les critiques? Ah voilà. En soi, j'ai pas tant de critiques que ça en vrai, hein. Je pensais que j'avais beaucoup plus, tiens. Donc, le mode alternatif, par exemple, on va soigner du 400. 500, ouais, 400, 500, quoi. Ça soigne en zone à peu près du 500. Et lui, je peux soigner quasiment du 900. Hein. C'est pas mal, hein. Voilà, 830. Et j'aurais pu encore soigner en vrai. Ça soigne pas mal, je pense. Je peux soigner un peu plus de 2000. Ouais, je peux soigner plus de 2000 sur un perso par tour. Maintenant, pour taper. Donc souvent, l'ennemi, ce qu'il fait, c'est qu'il met des mots de Galva, par exemple. Et un petit mot vivifiant. Comme ça, hop, eux, ils ont plus de dégâts. Et en plus, ils ont des PM, c'est vraiment pas mal. Mais, voilà. Là, on est sur un début de tour. On n'a aucun boost, hein, vous allez voir. On n'a rien. On a, bon, le Dofus Turquoise. Et la maîtrise d'armes, et c'est tout. Donc, on va voir nos dégâts. Il a 9000 HP, d'accord? On fait ça. Ça. Ça et ça. Voilà. On a fait plus de 3000. On a fait 3300 à peu près. 3200 on a fait. On a fait 3200 de dégâts en un tour avec l'ennemi. C'est franchement pas mal, hein, je trouve. Hein. Et on peut se soigner. C'est vraiment bien. Hein. Alors. Ah mince, j'ai pas celui qui. Bon, c'est pas grave. Après, on peut. Je vais vous montrer vite fait pour voir les dégâts qu'on peut poser sur un tour. Hein. Ok, 5500. Et là, 5500. Ah, je peux pas encore. Quelle merde. Donc 5500.
Hop, hop. Ensuite, on va faire démo sélectif et deux flamiches. Ah, les flamiches qui passent à 500, c'est incroyable par contre. Hein. Ça tape vraiment pas mal. Hein. Là, on a fait un peu plus de 4000. Bon, après, on était vraiment full boost. Hein. Mais c'est pas mal. Hein. Voilà, bon, le corps à corps qui passe à un peu plus de 1000, c'est vraiment bien. Franchement, perso qui fait des vrais, vrais dégâts. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Perso qui peut faire, bon, sans boost ni rien, on était à peu près sur du 3000, hein, on va dire, par tour. Donc souvent, ce que je fais, on pose lapin, maîtrise, boum. Ok, il a 3600. Est-ce qu'on le laisse... En fait, ce qui serait bien... Ah, mince. 2700. Est-ce qu'on fait du 2700 un tour? Je crois largement, en fait. Hein. Ouais, il me restait encore 5 PA. C'est pas mal, hein. Ok, je vais retenter vite fait. Voilà, on va le laisser à 10 000 HP pour pouvoir être sûr de pouvoir bien calculer. Donc il a 10 000 HP. Hein. On fait baguette, deux mots déroutants, 3300 on a fait. Baguette, mots déroutants, mots alternatifs, flamiche. Pareil, je crois on a fait 3500 encore. Hein. Ça. Ouais, c'est pas mal. On fait du 3000 quoi par tour. Globalement, en gros, on a tapé 3 tours. Et il a plus d'Achille est mort quoi. Donc c'est ça, hein, 3, 6, 9. On fait 3100 par tour. 3100, 3200. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me paraît vraiment pas mal. 3000, faire plus de 3000 de dégâts par tour avec un petit ennemi. Qui peut soigner, bien sûr. Et en soi, on a 4000 de, on a 4000 PV. Et mince, je vais vous montrer quelque chose d'autre. J'ai oublié de vous montrer les résistances. Parce que oui, on tape du 3000 par tour. On a 4000 HP. Et en résistance, ça va en vrai. On a, bon, neutre, voilà, on a 7%. Mais après, on a 26% terre, 15% feu, et 26% eau, 26% air. En fait, si on met un petit Dofus, on a les 30% en fait. Hein, sur tous les persos-là, on a les 30%. Hein. Tenez, on va faire proposer un échange, on va lui donner un petit office ivoire, et vous allez voir que les raids c'est vraiment pas mal. Hein. Hop là, tenez. Stuff presque PVP en fait finalement ce stuff. Hein. On va 30%, 11%, 30%, 19%, 30%, 31%, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Mince. Enfin voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je pense que c'est mon stuff préféré des 8 persos. Hein. Je le trouve vraiment super bien, super polyvalent. Bah voilà les gars. Du coup, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, je sortirai encore des vidéos jusqu'au 30 juin. Bah voilà les gars. Salut, à demain.